La Munsen, c'est un brise-glace de recherche, un navire assez unique dans toute la plateforme en fait, de navires de la garde côtière canadienne, parce que c'est le seul qui est vraiment dédié à la science, et en particulier pour la science universitaire. C'est ce qu'on appelle une infrastructure nationale de recherche pour la communauté canadienne. Actuellement, nous sommes sur la Munsen pour réaliser des tests en mer. Donc, nous testons durant ces quelques jours certains dispositifs de recherche particulièrement complexes avant le départ de la Munsen pour son expédition qui, elle, va durer 4 à 5 mois et va se dérouler en Arctique, là où l'accès à des pièces de rechange, par exemple, est impossible. Quand je pense à Munsen Science, ce qui me rend le plus fier, c'est d'abord avant tout notre équipe de techniciens, de personnel hautement qualifié, qui supportent comme ça toute la communauté canadienne dans leur recherche dans l'Arctique. Mais aussi, je pense également à notre parc d'équipement, qu'on a réussi à maintenir vraiment là, à la fine pointe de la technologie. On a réussi à avoir cette capacité-là au Canada qui est assez unique. Donc, c'est une grande fierté que l'Université Laval et puis le Canada peut avoir.